Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode 2 Star Wars V5, la girafe. Donc chers amis, nous sommes cette fois-ci dans cette pièce. Dans cette pièce, je vais y faire l'armurerie avec un petit truc spécial. Un petit truc spécial, donc vous allez voir c'est quoi tout de suite. Normalement, je dois pouvoir les crafter ici. Où sont... Alors normalement, si je mets dans violet, je dois pouvoir les trouver. C'est un échec. On remonte, on va aller voir Sale, c'est pas grave. Hop. Sale, lui, saura me les donner. Hop. Non plus. Et ici, peut-être. Ah, voilà. Les différentes tables. Attends, un. Une ici. Bon, de toute façon, on peut mettre juste table dedans, normalement ça va suffire. Voilà. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Avec ensuite, normalement il en reste une, mais donc table, je crois qu'elle doit être en bleu, non même pas. Bah, mince, elle est pas catégorisée comme une de ces fameuses crafting tables. Réplicateur, il est pas, ah oui non c'est un réplicateur, exact, oh là là. Voilà. Alors, plus celle-ci que j'ai déjà craftée. Crac. Donc j'ai envie de faire ça ici. Et là vous dites, oui il n'aura jamais la place pour mettre toutes les tables. Effectivement je n'aurai jamais la place de mettre toutes les tables. C'est pourquoi à cette intention j'avais envie de trouver un coffre sympa. Donc on va retourner voir Sale, excusez-moi. Je chie dans la colle. Hop, j'avais envie de trouver un coffre sympa. Alors comme ça, hop. Je pense pas que j'ai trouvé le coffre qui m'intéresse. Cache register, j'en avais vu un peu plus haut. Si vous voulez jouer aussi. Catching. Celle-là fait le même bruit, d'accord, ok. Alors, weapon chest, pourquoi pas. C'est-à-dire que moi, en fait, vous voyez, normalement, on a la place d'en mettre une ici. Techniquement, j'ai la place d'en mettre une deuxième un peu plus haut. Cependant, ça, ça ne va pas le faire. Et celle-ci encore moins. Voilà. Mais je peux mettre celle-ci si je veux. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Pour ça, encore faut-il que j'ai la place pour mettre, hop, ceci là. Et ici. Voilà. Donc on se retrouve avec en fait deux trucs là, donc vous voyez qu'on peut ouvrir comme ça. Et non, ça va pas me plaire, ça me plaît pas. Je vous le dis pourquoi, parce que je veux pas que ce soit celle-ci qui soit principalement utilisée entre guillemets. Donc je ne sais pas comment je vais faire, comment je peux faire. Je sais qu'en haut, ça c'est intentionnel, je voulais faire ça comme ça. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, là à la base, là-dedans, je voulais mettre des coffres pour que nous puissions tout simplement garder la quantité d'armement qu'on veut. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, mettre en fait tout ce qui est armement et tout le reste là-dedans. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai envie d'aller voir les lockers de chaque race. Voilà. Ouais, s'il n'y en a pas un qui fait plus armement que les autres en fait, tout simplement. Donc ça j'en ai déjà un. C'est dans l'ouverture en fait que ça va se faire. C'est-à-dire que suivant comment s'ouvre chacun des lockers. Je ferai mon choix. C'est-à-dire. Hop, je place celui-là au pif. Merde, comment tu t'ouvres? Oh, ça va être compliqué cette histoire. Attendez. Ah, t'es pas sérieux. Voilà. D'accord, je trouve comme ça sur les extérieurs, pourquoi pas. Ça m'intéresse pas trop à vrai dire. Toi, j'aurais préféré que tu t'ouvres autrement. Toi aussi. Et celui-ci.
Ouais. Et enfin celui-là. Ouais, bon, je suis pas convaincu. Génial. Et enfin celui-là qui sert pour le Medical Bay. Non plus. Au final, le mien, celui de base, celui de ma race, donc des humains, est peut-être plus adéquat. Pardon. Hop. Oh, pas plus. Pas de beaucoup. Celui-là, on a dit comment qu'il s'ouvrait? Ouais. Non, ça m'intéresse pas non plus, à vrai dire. Et le bleu, il fait pareil, il me semble. Ouais. Je suis pas convaincu, chers amis. Hein. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre un des normaux, un des classiques. Un des blancs. Oui, oui. Voilà. Alors, soit je les mets comme ça, soit... Soit j'en mets 4, soit j'en mets moins. Le problème, c'est qu'on va avoir une chier d'armement. Normalement. Je précise le normalement parce que bon. Comme ça, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Bon, attendez. On va refaire un autre truc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en poser 2. Voilà. Crac, comme ça. Couture, on va peut-être mettre un petit peu de lumière. Non, couture, on va mettre des serveurs, justement. Ça va être beaucoup plus... Hop, voilà. Et avec. Hop là. Et pour la forme, là c'est vraiment pour la forme uniquement. C'est une arme, c'est une armurerie, donc normalement faut faire gaffe. Hop. Voilà. Et hop, je referme. Crac. Ok, de ce côté-là, on est bon. J'ai la zone, entre guillemets, que je voulais avoir. À ceci près, j'aimerais voir si je peux pas avoir un... Danger. Vestical Danger Sign, voilà. Attention, normalement, j'aurais pouvoir le mettre en dessous. Non, il me manque une case, merde. Littéralement, il me manque à moi aussi une case. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, les autres, les fameuses armures. Alors là, je peux peut-être en placer 2, mais je pourrais pas en placer plus. Donc, je ne vais pas en placer 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'avais prévu de faire dès le départ. C'est que je vais, hop, tricher. Littéralement tricher, vous allez voir. Je vais placer un bloc comme ça. Ok. Là vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement stupide. Tout ça. Ça ressemble à rien. C'est moche. Eh ben non. Flat. Voilà. Encore eux, vous vous dites putain, il est chiant avec celui-là. Avec ces trucs-là, pardon. Oula non, c'est pas ça que je veux. Hop là. Un play. Et donc, à l'intérieur de ces trucs, qu'est-ce que j'y cache? Les autres. Tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop. Voilà. Ce qui met en valeur, en fait, à la fois la zone. Et hop. Je vais quand même, à ce sujet, rapprocher. Ah bah non, je peux pas. Ils sont bien casés, en fait, ceux-là. Hop, c'est de là aussi, c'est pas grave. Et ce truc là, ça va mettre light. Alors je sais plus si je les ai sur moi. Apparemment non. Hop. Au niveau des lumières, je sais exactement ce que je veux mettre. Hein. Hop. Normalement.
Hop. Ah, c'est pas celle-là. Dommage. Hop. Bah, remarque, ça rend pas si mal, hein. Ça rend pas si mal. Et maintenant, si je pouvais rajouter juste celle que je voulais dessous, ce serait cool. Avec mes 3D print. C'est une chose à régler là, chers amis de Chucklefish. C'est la possibilité de pouvoir avoir le pixel printer partout dans le vaisseau d'un seul coup. Enfin, qu'on puisse se balader avec, en fait, ce serait cool. Voilà, c'est celle-là. Non? Je ne sais plus. Est-ce que c'est celle-ci? Bizarre. Bon bah je ne sais plus. De toute façon je peux pas la placer au milieu. Je me suis fait U. Ça ne devait pas être celle-ci. Alors, Small Food Light, ouais c'est pas celle-là pourtant. Je suis persuadé que c'est pas ça. C'est pas celle-là que je cherche, je le sais. Je les avais trouvés précédemment en plus, mais je les avais intervertis entre guillemets. Je les avais donc inversés. Non, bah je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ok, bon bah tant pis. Alors du coup je vais aller hop passer ça là. Voilà. Ici il me faudra aussi de l'éclairage. Donc ici je vais mettre quoi comme éclairage? Hop. Là. Ah non, pas des flickering. J'ai mis les flickering. Putain, j'ai pris les flickering. Qu'est-ce que je peux être stupide quand je veux. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc celle-là, je peux les virer. Ok. Voilà. Hop. Ah donc de l'éclairage ici, de l'éclairage qui devrait être dépendant de mon emplacement, comme toujours. C'est le principal moyen d'éclairage que je veux utiliser. Ce qui veut dire que quand j'arrive là, hop, ça illumine. Là, j'ai pas besoin d'illumination. Sauf peut-être. Pour la blague. Non, pas ça, j'ai pas envie de ça. Sauf tu tiens, pourquoi pas. Hop. Voilà. Oula, je me trompe. Hop. Voilà. Et donc uniquement quand je suis présent. Ok. De toute façon, les thrusters, je crois qu'ils éclairent l'intérieur du vaisseau. Bon, alors on a une armurerie qui est fonctionnelle, avec un espace de stockage d'armement qui est fonctionnel lui aussi. Hop, parfait. Et un ascenseur qui lui-même est fonctionnel. Hop, parfait. Parfait, parfait. Bon. Alors, il nous reste donc plus que ces deux pièces-ci à faire, plus forcément... cette pièce-ci et cette pièce-ci. Et on verra ensuite pour ce cockpit. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire dans les autres pièces? Ok. Donc là, d'accord. Ici. Ok. Ok, bon, alors on a du boulot.
On a du boulot parce que ici, il va y avoir quelque chose de particulier. Quelque chose que je n'ai pas du tout encore utilisé. Ce qui m'intrigue. Hop. Alors. Ok. Slash spawn item dirt 1999, il me semble que c'est ça. Hein. Et non, c'était pas ça. Raté. Comment je vais faire pour retrouver de la... Ah, j'ai pas activé la porte de ce côté-là, apparemment. Dommage. Ok. Hop. Ok. Est-ce que tu peux me donner de la dirt, toi, de là ou pas? C'est la première fois que j'en cherche, alors bon. Eh non, il m'en donne pas plus. Génial. Bon, bah à l'instant. Re, chers amis, alors c'est... Slash spawn item... Dirt matériel. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà, on a de la dirt. Putain. Alors. Oula. Elle est un petit peu vite en besogne. Crac, parfait. Alors. Malgré tout, je souhaite que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc. Un petit peu beaucoup. OK. 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 Bon, de ce côté-là, ça va, c'est pas trop catastrophique. Ensuite, alors moi je vais devoir faire une petite pause, chers amis, une petite ellipse, et je vous retrouve tout de suite. Heureux, chers amis, alors bon, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Crac. Je vais le faire un peu plus petit, vous allez voir, vous allez comprendre. Hop. Ça c'est bon, c'est surtout ces trois là qui m'intéressent pas. Hop. Voyons voir. On fera les tests comme ça, on fera le test comme ça. On verra ensuite si c'est efficace ou non. Personnellement, j'espère que ça le sera, à vrai dire, hein, parce que j'ai pas trop d'autres idées sous la main. Par contre, j'aimerais retrouver mes loupiottes, s'il vous plaît. Où sont-elles? Ça, j'en ai plus besoin. Où sont mes lumières? Les deux lumières d'outpost, elles sont où? Là. Elles ont rien à faire ici. Hop. Ok. Pas besoin, en tout cas, de ce bloc-ci. Crac. Par contre, je vais quand même remettre les plateformes. Ça fait toujours plus propre. Hop, voilà. Même si elles sont pas très très visibles. Ici, normalement, je dois pouvoir refermer. Ensuite, il va me falloir un... Voilà, j'espère qu'il n'est pas trop gros. Crac. Liquid sensoring, ok, il va en falloir un là. Il va falloir aussi des drains, mais ça je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'il va accepter que je les prenne là? Non. Ok, donc j'ai posté, parce que j'ai... Enfin j'ai posté, j'ai posé, pardon. Ici, donc un wiring. Drain, voilà, parfait. Histoire d'avoir l'accès aux autres choses que je voudrais construire en fait. Ah oui, c'est vrai. Hop, alors, hop. Hop.
Alors, j'aimerais mettre un drain, du coup. Alors, où est-ce qu'il est? Là. J'aimerais en mettre un ici. Hop, voilà, ça vide. Déjà, ça c'est bon. Ensuite, je vais en mettre un ici. Ensuite, donc là, il y a une porte. Un sas, plutôt. J'aimerais mettre un liquid sensor. Non, c'est bon, il est déjà là. Ok. La défense tourette, j'aimerais la mettre ici. Alors j'espère qu'il ne va pas tirer dans la porte. Est-ce qu'il y a le fameux water gun? Non, il n'y est pas. Slash spawn item water gun 1. Est-ce qu'il passe? Il passe. Parfait. Je me donne, merci. Ici, donc, j'y donne. Ceci. Ah, il veut pas! Enfer et damnation! Il ne veut pas. Ah, merde, credit. Alors là, je pensais que ça allait passer. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Ah! Non! Comment je fais? Comment je fais? Il veut pas prendre le water gun du tout. Slash spawn gun 10. Je sais plus c'est quoi. Slash spawn weapon 10. Il existe peut-être plus ce truc, hein. Bon, un instant. Bah non, pas un instant. Parce que si ça rentre pas dedans, ça ne rentre pas dedans. Je vais quand même aller regarder si j'ai pas une arme moisie à l'y mettre. On verra bien. Hop. Flamethrower. Ouais, on va prendre ça, c'est pas grave. Façon, si ça passe. Ah bah oui, non. Bah alors, ces tourelles-là ne fonctionnent plus? Ah, c'est vraiment dommage. J'appréciais comment elles fonctionnaient, moi, ces tourelles. Vous pouvez y mettre n'importe quel gun. Turret. C'est pas les Apex, je sais. Hop, alors attendez, 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 attendez. Il y a un truc qui colle pas là. Hop. Me dis pas, mais c'est pas possible. Ah, puis ça me donne ça en plus à chaque fois, c'est chiant. Pourquoi tu veux pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je te redonne de tirer, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux même pas te redonner de tirer. Ah, donc c'est naze. Donc ça marcherait pas. Ah, merde, je pensais que ça allait marcherait. La question est maintenant, est-ce que je peux avoir des cubes d'océan? Ce qui là modifierait clairement toute la chose. Bon, bah, je vais voir, chers amis. Heureux, chers amis. Bon bah c'est un peu triste, on n'aura pas normalement le moyen de faire une ferme automatisée de la balle. Donc je reviendrai sur ça un peu plus tard, je pense. Mais il n'y a actuellement aucun moyen en fait d'automatiser réellement la ferme, en tout cas à l'intérieur du vaisseau. Ce qui du coup ne m'intéresse pas. Bon, bah une grosse déception de fin d'épisode, chers amis, parce qu'on va se laisser là. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière. Il n'y avait personne dans le vaisseau de toute façon, c'est pas grave. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Fallout, Mad Max, Star Wars, pardon, Battlefront, pardon, excusez-moi. Je chie dans la colle, c'est d'une violence. Et bien d'autres jeux à venir, je l'espère en tout cas. Encore une fois, merci à eux, merci à vous de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom qui en chie encore dans ses outros. Blah, 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 blah.